Hello everyone, we are back for the next slot on Batcave. It's 11 o'clock, a little bit past, that's fine. And I'm looking forward to get some very interesting news from another partner of our community and for the conference. Aditya, what do we have in stock coming up? So next up, Baudet, and he will be presenting on IT project delivery and organization in the context of M&A and business growth. So he works at Iqira. He has 11 years experience within Numericab group, and he's been working as an IT consultant for more than 5 years. So let's switch to him and he can Yes, start yes. introducing himself and give you a bit Welcome. more about. Welcome, Sylvian. It's great to have you. Thank you. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. C'est une première pour moi de participer à la conférence des développeurs à Maurice. Je suis le DSI de Iqira et Iqira est une société française qui s'occupe de recouvrement de créances, qui est le leader de recouvrement de créances. Et aujourd'hui, je vais pas vous parler de technique parce qu'il y a plein d'autres gens qui sont meilleurs que moi pour parler de technique. Je vais vous parler de ce qui se passe plus en amont et le lien avec le métier. Et comment on peut organiser des projets et une stratégie et une gouvernance dans une entreprise pour mener à bien une convergence de systèmes d'information. Okay, just help me out. I think I understood it. With the description in English, what's the intention? Just help me out and the audience. Are you running the presentation in English or in French so that In we can French. set the ex that we can set the ex expectations right with the audience? In Yeah. French, that's perfect. All right. Okay, Okay. no problem. That's fantastic. So I guess, Aditya, this is really interesting about getting this information regarding change management and governance, supporting business growth at all the time. I mean, this should be great. So please, Sylvain, the floor is yours. Okay. Avant de commencer, il est important de comprendre le contexte. C'est un retour d'expérience que je vais vous faire sur mon expérience sur les 2 années et demie que je passe chez Ikera. C'est pas c'est une boîte à outils, un retour d'expérience et une méthode, mais c'est pas la méthode. Il y a plein de méthodes, il y a plein de manières de faire. Ce que je vais présenter, c'est un retour d'expérience sur la manière d'organiser une DSI, une équipe informatique, dans un contexte de fusion. Ce n'est pas une méthode, c'est une boîte à outils et c'est vraiment un retour d'expérience. Il y a plein d'autres manières de le faire et je vais vous en présenter une que j'ai mise en place dans le groupe Ikera. Pour bien comprendre le contexte, Ikera est un groupe qui a été construit autour de la fusion de plusieurs sociétés, de 3 grosses sociétés principales, de taille à peu près similaire, mais chaque société avait ses particularités, avait son siège social, avait ses propres data centers, avait ses propres équipes informatiques, avait ses propres applications métiers, ses propres développeurs, son propre Active Directory, sa propre plateforme de messagerie, son propre réseau, son propre système téléphonie. Et chaque société n'avait rien à voir avec l'autre. Et donc, quand on réalise une fusion de sociétés, il y a un sujet de fusion des IT, fusion des DSI à tous les niveaux, que ce soit sur un niveau du réseau, de l'infrastructure, des applications, des outils collaboratifs, de la messagerie. Et c'est un travail assez long. Étalé sur plusieurs années, et c'est important de structurer la démarche parce qu'on ne peut pas faire, on peut pas tout faire en même temps. Et donc, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un chemin pour y arriver, de savoir dans quel ordre on fait les choses. Ce qui est important, c'est de connaître l'objectif business de la société. Dans le cas d'Ikera, l'objectif business était de devenir le leader français de la gestion de créances et de pouvoir créer la différence vis-à-vis de ses concurrents. Vraiment de devenir le leader. Quand on a dit ça, il faut réussir à transformer ces objectifs business en objectifs IT.
puisque l'IT est une fonction support, elle va aider l'entreprise à atteindre cet objectif. Et donc, il faut déterminer les objectifs IT qui vont permettre d'atteindre l'objectif business. Dans notre cas, on a défini cinq objectifs IT. Le premier, c'est faire converger l'infrastructure, puisque chaque société avait sa propre infrastructure, avait ses propres data centers, et surtout fournir un PCA, c'est-à-dire un plan de continuité d'activité, si un data center tombe, si une liaison tombe, être capable d'avoir une redondance et une résilience de l'informatique, ce qui n'était pas forcément le cas dans les différentes petites sociétés qui étaient des structures plus petites et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un vrai plan de continuité qui est performant. Donc, il faut avoir un socle solide, c'est-à-dire converger l'infrastructure. Pour pouvoir permettre d'atteindre les objectifs métiers, business, il faut que les collaborateurs puissent travailler ensemble, puissent collaborer. Donc, là, il y a un objectif qui est de converger la bureautique et permettre le travail collaboratif. Si chaque société avait son propre système de messagerie, de chat, de vidéoconférence et de mail, il faut que les personnes à travers les différentes sociétés puissent communiquer ensemble et puissent travailler ensemble. Donc, c'est un deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est converger les applications métiers. Chaque société avait sa propre application métier, son propre CRM, et il est important de pouvoir réduire son nombre d'applications pour focaliser les efforts de développement et les équipes informatiques sur des applications métiers, sur le moins d'applications pour faire mieux. Et pour devenir le leader français, il est important d'industrialiser la manière où on onboard un client sur notre plateforme de recouvrement, puisqu'on vend un service de recouvrement à nos clients et on a besoin de s'interfacer avec son système d'information. Et chaque interfaçage est très spécifique. Et donc, il y a un objectif également d'industrialiser et de rendre plus facile cet onboarding client pour être au plus proche du marché. Et enfin, un cinquième objectif qui est innover et améliorer les applications pour permettre au business d'optimiser ses processus et d'optimiser sa performance opérationnelle. Quand on a défini ces objectifs-là, il faut les garder tout le temps en tête et ça va nous donner notre cap. Par contre, ces objectifs, il faut absolument les transformer en projets, en sous-projets et en sous-sous-projets. C'est le principe de lotissement. Et à chaque fois qu'on fait un projet, on doit se poser la question, il contribue à quel objectif? Donc, La première étape de réalisation, c'est de définir les mainstreams, c'est-à-dire les grands jalons ou les grands streams. Et donc, j'ai identifié plusieurs streams. Le premier, c'est l'organisation IT. Quand on a trois équipes informatiques complètement différentes, la première des choses est de réussir à construire une organisation homogène et unique. Ne pas avoir trois services de helpdesk, avoir une seule équipe de QA, donc avoir une seule et même équipe et une seule gouvernance. Et après, les objectifs se sont transformés en trois plans de convergence, un plan de convergence des applications métiers, un plan de convergence de l'infrastructure et un plan de convergence de la bureautique. Vous voyez que ces plans de convergence s'étalent sur 3 à 4 ans, puisque je pense que c'est la durée d'une convergence à tous les niveaux qui se situe entre 3 et 4 ans. Une fois qu'on a défini ces mainstreams, on va pouvoir rentrer dans chacune de ces streams pour avoir des sous-projets. Et l'ordre des projets va être important. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, il faut bien garder en tête qu'il faut définir sa stratégie, définir ses mainstreams et la garder en tête pour garder un cap.
si on fait un petit focus sur l'organisation, quand on rassemble des équipes de sociétés différentes, elles ont des cultures et des organisations différentes, des méthodes de travail différentes. Et ce n'est pas parce qu'on va créer un organigramme et qu'on va mettre des gens dans des cases et que l'organigramme va être joli que ça va fonctionner. C'est très, très long de mettre en place une organisation et de faire en sorte qu'elle fonctionne. Le petit schéma que vous voyez ici, c'est un schéma de Bruce Tuchman qui a travaillé sur la sociologie de la construction de groupes. Et il a analysé que ça se passait en 4 étapes. La première étape qui est le forming, c'est-à-dire on constitue l'équipe et on les juxtapose l'une à côté de l'autre. Mais c'est pas parce qu'on les juxtapose que ça va fonctionner. La deuxième étape naturelle, c'est le storming, c'est-à-dire que c'est la tempête. Les gens ne s'entendent pas forcément, ils ne se connaissent pas, et donc il y a des susceptibilités, il y a des conflits entre les différentes personnes, et cette période-là, elle dure environ 6 mois. Pour pouvoir sortir de cette période, il faut réussir à définir les rôles de chacun, définir le rôle de chaque équipe, quels sont les objectifs de chaque équipe, et surtout de définir une gouvernance entre les équipes, entre les personnes, entre les managers. C'est très long à mettre en place, puisque ça c'est pas de la méthode Coué, c'est pas en claquant des doigts que l'on arrive à faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Et donc cette période dure à peu près 6 mois pour pouvoir caler et faire en sorte que les gens apprennent à travailler ensemble et à se connaître. Après, on rentre dans une étape qui est le norming. Ça veut dire que les process sont mis en place, les gens arrivent à travailler l'un avec l'autre sans forcément passer systématiquement par le chef. Et c'est une organisation normale. Une fois que cette période de norming qui dure environ 8 mois, c'est seulement à partir de ce moment que l'on rentre dans une période de performing. Ça veut dire que les équipes deviennent autonomes et n'ont pas forcément besoin de reporter systématiquement au chef. Donc ça, c'est le graal ultime dans une organisation. C'est une organisation qui devient beaucoup moins hiérarchique et autonome. Pour pouvoir faire cette transformation dans les différentes étapes, il faut identifier les key people pour pouvoir les valoriser, déléguer auprès de ces key people, identifier les leaders qui vont pouvoir aider à construire cette organisation. Et bien évidemment, il faut savoir recruter et aussi remplacer. C'est, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui prend entre 1 an et 18 mois facilement pour pouvoir atteindre la phase de norming. La phase de performing, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'atteint. C'est très très long à atteindre une certaine maturité d'organisation qui va rendre les équipes autonomes pour pouvoir travailler ensemble. Après, on va rentrer plus dans de l'organisation projet. Et plus orienté sur les équipes de delivery et de développement d'applications. Il y a énormément de débats autour de l'agile ou du waterfall, des pro waterfall, des pro agile. Moi, je suis pas pour une méthode ou une autre méthode. Je travaille en bon sens et d'une manière pragmatique et en analysant la situation. Chaque société, historiquement, avait sa propre méthode de travail. Certaines sociétés étaient en agile, d'autres en complet waterfall, d'autres sans méthode. Et donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a une méthode qui s'applique à un contexte particulier. Si on essaye de faire de l'agile à marche forcée, on peut très vite se tromper et surtout ne pas avoir l'adhérence de tout le monde. Si on fait que du waterfall, on a un risque
garantie enfin, de l'échec sur des très gros projets, puisqu'on a un effet tunnel. Et quand on sort du projet, le projet, l'application ne correspond plus aux besoins métiers. Et chaque projet est différent. Donc, dans le cadre d'Ikera, j'ai mis en place, j'ai fait le choix de mettre un modèle hybride entre de l'agile et du waterfall. En ayant fait le constat suivant, qui était que la majorité des équipes de développement étaient en Scrum, donc vraiment prêtes pour faire de l'agile. Les directions métiers n'étaient pas matures à l'agile, et surtout dans une période de fusion-acquisition, les métiers ont plein d'autres actions et occupations à réaliser que de changer de méthode ou de s'impliquer dans une méthode informatique. Et surtout, on a vu qu'il y avait plusieurs mainstream et des gros projets de convergence qui sont forcément longs et surtout incertains, puisqu'on découvre chaque jour des nouveaux projets ou des nouvelles problématiques. Donc, il fallait trouver une méthode qui pouvait convenir au contexte et nous permettre de délivrer les différents projets de convergence. Du coup, c'est ce modèle hybride qui est basé sur une analyse et un design, c'est-à-dire les phases amont du waterfall. Et une fois que le design est fait, c'est-à-dire que l'on a compris le besoin, qu'on a écrit des spécifications, qu'on a fait valider le besoin par le métier, à partir de là, on rentre dans de la méthode agile sous forme de sprint de 3 à 4 semaines et qui permettent tous les mois de livrer un bout du projet. Donc, on rentre vraiment dans le concept d'agile, de livrer un élément, une fonctionnalité, quelque chose tous les mois pour montrer un avancement. Et ça permet surtout au métier de voir un avancement et de pouvoir ajuster le tir quand il y a besoin. Donc, c'est un compromis entre l'agile et le waterfall qui, jusqu'à présent, a fonctionné. Peut-être que dans quelques mois, dans un an, on reverra peut-être cette méthode-là pour basculer peut-être sur de l'agile complet, puisque on aura atteint une certaine maturité. Mais dans le contexte initial, pour moi, c'est le meilleur modèle que l'on pouvait mettre en place. Une fois qu'on a défini sa méthode de travail, il y a une certaine gouvernance interne à mettre en place à la DSI. Et donc, il faut catégoriser, cartographier les différentes équipes qu'il peut y avoir dans une DSI. Donc, c'est une version très schématique de l'organisation, mais surtout les interactions qu'il y a entre les équipes. Vous pouvez voir qu'il y a une équipe de recherche et développement qui s'occupe du développement des applications, une équipe d'infrastructure, une équipe de gestion de projet et une équipe de gestion de flux que l'on appelle EDI chez nous. Et donc, ça permet de voir les différents liens et les attendus entre les différentes équipes. Ça permet également de construire cette organisation pour arriver à la phase de norming. Une fois qu'on a réussi à mettre en place une telle gouvernance, on arrive à la phase de norming du schéma précédent. Ça permet surtout à chaque équipe de savoir comment elle se positionne dans la DSI, qu'est-ce qu'elle attend des autres équipes et qu'est-ce qu'elle doit fournir aux autres équipes. Vous voyez qu'il y a un organe central qui est le CAB, qui est le bureau des changements qui permet de valider l'ensemble des mises en production. Et donc, toutes les équipes contribuent à alimenter cette équipe de CAB qui va s'occuper de faire du packaging de mise en production et de lister l'ensemble des changements que l'on réalise dans le système d'information. Quand je parle de changements, ça peut être des changements applicatifs, des changements sur le réseau, des changements sur l'infrastructure. Et donc, c'est un point de rencontre chaque semaine à toutes les équipes. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a une interaction entre deux équipes, il y a un point de rencontre,
il y a un meeting qui peut être formel, qui peut être à petite audience, mais il y a un point de rencontre systématique et régulier entre ces équipes-là. Et donc, c'est important que les équipes deviennent autonomes dans leurs différentes interactions, telles qu'on le voit sur le schéma ici. Quand on a défini la gouvernance et qu'on a réussi à mettre en place la gouvernance interne de la DSI, en parallèle de ça, il y a une gouvernance de la roadmap. La roadmap de l'IT, c'est une roadmap de l'entreprise. Ça veut dire que l'IT est au service des directions métiers et on doit toujours pouvoir faire valider cette roadmap régulièrement auprès des directions métiers. Pour être au plus près et avoir la plus grande réactivité, on a mis en place une gouvernance avec un arbitrage tous les mois avec les membres du COMEX qui permettent de garantir que ce que la DSI est en train de produire est en total alignement avec la stratégie de l'entreprise. Pour pouvoir faire cette réunion d'arbitrage, puisque quand on réunit autant d'applications, autant d'infrastructures, on arrive vite avec des portefeuilles projets de plusieurs centaines de lignes. C'est pas possible de faire valider l'avancement d'une centaine de projets tous les mois. Et donc, on a fait une réunion intermédiaire que l'on appelle l'interservice, application par application, avec les parties prenantes des directions métiers et les parties prenantes de l'IT pour faire une pré-priorisation des différents sujets. Et ça permet, et donc ces réunions interservices arrivent au milieu du mois, autour du 15 du mois, et sont mensuelles. Et la réunion de comité d'arbitrage avec le COMEX arrive en fin de mois et permet de valider ce que l'on va développer ou ce que l'on va lancer comme projet le mois suivant. Et donc, tous les mois, on a une certaine mécanique qui permet de s'assurer que les besoins métiers très opérationnels sont compris par les équipes IT et que ce qui a été priorisé en interservice est validé par le COMEX et conforme à la stratégie de l'entreprise. C'est assez long de mettre en place cette gouvernance, puisque on peut se poser la question, mais ça sert à quoi? C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de réunions. Ça permet surtout de garder un cap et de s'assurer qu'on est conforme à la stratégie de l'entreprise. Ces réunions d'arbitrage, elles fonctionnent en mode capacitaire. Par défaut, le business a toujours des besoins. Et on pourrait remplir des roadmaps sur 10 ans avec les besoins du business. Ce qui est important, c'est de pouvoir prioriser et de prendre des projets, de prioriser des projets en fonction de la capacité mensuelle de développement. Ça veut dire qu'on a une certaine capacité en jour-homme de développement sur une application, sur un mois. Et donc, on va prioriser sur un mois ce que l'on est capable de réaliser dans la capacité. Et donc, ça oblige les opérationnels et le métier à se poser la question, qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour moi immédiatement pour le mois prochain? Donc, ça permet d'avoir une vision très court terme. Le mois prochain, j'ai besoin de cette évolution, j'ai besoin de cette nouvelle fonctionnalité, et on a notre roadmap IT qui est sur du long terme, sur plusieurs années. Et du coup, on travaille sur les deux timelines, une timeline très court terme pour satisfaire le besoin métier et une timeline un peu plus long terme pour satisfaire la stratégie de l'entreprise et converger les différentes applications. Je vais essayer de zoomer maintenant sur les applications. C'est très théorique. Quand on doit faire une convergence applicative,
on a souvent, chaque société avait ses propres applications. Et quand on analyse activité par activité, eh ben, on se rend compte que, y a des applications qui sont en redondance. Chaque société avait son propre CRM. Et dans le plan de convergence, dans la définition du plan de convergence applicatif, il faut réussir à se dire, c'est quoi ma cible? Où est-ce que je veux aller? Dans quelle application cible je veux pouvoir aller? En ayant comme objectif d'avoir une méthode de rationalisation du parc applicatif et d'avoir une application pour une activité. C'est-à-dire avoir un seul CRM, avoir un seul logiciel de comptabilité, avoir un seul logiciel de paye, de gestion RH. Et donc, de faire des choix et de se dire quel est de prendre le meilleur de chacune des sociétés et de se dire où est-ce que je vais aller. Le fait de réduire et de rationaliser le parc applicatif, ça permet de réduire les coûts d'hébergement, ça permet de réduire les coûts de maintenance et surtout d'innover et de développer qu'une seule fois. Si on a trois CRM et qu'on veut une nouvelle fonctionnalité pour faire un scoring sur des clients, eh ben, si on a trois applications, on va devoir faire trois fois le développement dans les trois applications. Donc, c'est important d'avoir une direction et de réussir à converger vers une seule application pour pouvoir construire et innover une seule fois. Alors, comment on fait ça? Il n'y a pas de recette miracle. Il y a une phase de macro gap analysis qui permet de lister les grandes fonctionnalités que l'on a par application. Et ça permet de comparer est-ce qu'il y a une application qui a plus de fonctionnalités que d'autres et de déterminer celle vers laquelle on va se diriger. Une interview des utilisateurs est très importante puisque ça permet aussi de capter les irritants que l'on a sur des applications. Et du coup, ça nous permet de dire est-ce que l'application où j'ai l'impression qu'il faut aller, est-ce qu'elle va être acceptée par les utilisateurs et est-ce que c'est le bon choix? Et puis enfin, il y a une analyse d'architecture technique pour vérifier est-ce que l'architecture de l'application est scalable, est-ce qu'elle va tenir la performance, est-ce qu'elle est capable d'accueillir la volumétrie de données des deux autres sociétés. Est-ce qu'elle est capable de pouvoir gérer l'ensemble des utilisateurs en simultané? Donc, vraiment, l'analyse de l'architecture technique est un point clé. Et donc, quand on a réalisé ces différentes analyses, on arrive à en tirer des choix qui permettent de dire, je vais plus aller vers cette application-là, je vais plus aller vers cette application-là. Et puis, il y a des moments où dans les choix stratégiques de l'entreprise, quand on fait de la fusion d'entreprise, il peut arriver que on décide d'arrêter complètement une activité puisqu'elle ne correspond pas au cœur de métier ou ne correspond pas aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Et du coup, on va arrêter complètement une application. C'est ce qu'on peut voir sur le schéma ici, sur l'activité 4, où on avait une application, on a décidé de l'arrêter. On voit que sur les autres applications, on va choisir une des applications dans l'activité et lancer des programmes de migration vers ces applications et surtout développer les fonctionnalités manquantes pour pouvoir accueillir les données des autres applications. Alors pour y arriver, j'ai mis en place une démarche de MVP, Minimum Valuable Product, qui est très connue, qui permet d'y aller progressivement et surtout ne pas avoir un effet tunnel. Donc, en plusieurs étapes, définir l'outil cible vers lequel on veut aller et choisir, vérifier la scalabilité, développer un outil de migration qui va nous permettre de migrer les données soit en Big Bang ou soit progressif d'une application à l'autre. Et ce qui est important, c'est d'obtenir une version de l'outil cible qui permet d'accueillir tout le nouveau business. Parce que si vous continuez à intégrer du nouveau business dans les vieilles applications, ben c'est autant de données ou de clients qu'il faudra migrer dans la nouvelle. Donc,
il est important de faire les évolutions de fonctionnalités manquantes dans l'application cible pour pouvoir couper le robinet et arrêter de remplir la baignoire et avoir un périmètre fini sur les anciennes applications. Une fois qu'on a réussi à faire en sorte que tous les nouveaux clients arrivent sur la nouvelle application, eh ben on définit différents MVP qui correspondent aux catégories de clients que l'on va migrer d'une application à l'autre. Et bien évidemment, quand on est en train de faire ce genre de choses, on ne contribue pas forcément tout de suite aux besoins métiers, aux enjeux métiers. Donc il faut savoir de temps en temps poser le crayon sur la stratégie de convergence et réaliser des quick wins qui vont apporter une valeur ajoutée immédiate au métier. Et donc, il faut toujours ajuster le plan de convergence et de migration avec les enjeux très court terme du métier. Donc, c'est toujours revenir sur une timeline assez courte et une timeline assez longue. Et donc après, il faut, une fois qu'on a réussi à définir ce plan de convergence applicatif, il faut le mettre en musique et essayer de le planifier dans le temps. On ne peut pas tout faire en même temps. Une des bonnes méthodes pour pouvoir faire des migrations d'applications vers une autre application, c'est de créer des équipes dédiées, d'avoir une équipe dédiée de migration qui va vraiment ne pas être perturbée par le business et les évolutions nécessaires à faire, et donc qui va être en charge de développer un outil industriel de migration d'une application à une autre. Et en parallèle de ça, faire les développements, les améliorations et les enrichissements d'une application. Il peut arriver aussi d'avoir des équipes mutualisées pour d'autres migrations. Vous voyez que on avait plusieurs applications à migrer en parallèle. Toutes les migrations n'ont pas forcément commencé en même temps. Il faut savoir les séquencer et du coup, il faut choisir par quelle migration on commence et quelle migration va apporter le plus de valeur à l'entreprise. Dans les choix. Aussi de savoir par quelle migration je commence, le risque d'obsolescence de l'application est un facteur clé, puisque chaque société avait ses propres applications et de temps en temps des applications qui étaient très anciennes, qui avaient peut-être plus de 20 ans ou des infrastructures qui avaient plus de 10 ans, donc un risque de défaillance assez fort. Et du coup, ce risque d'obsolescence est aussi un facteur de priorisation qui permet de dire je vais plus commencer par migrer cette application parce qu'elle est vraiment vieille ou elle est vraiment sur une infrastructure qui commence à être vieillissante. Et un autre critère de choix pour prioriser les migrations d'applications, c'est la compliance d'un point de vue sécurité et la compliance vis-à-vis du RGPD, savoir si est-ce que l'application était compliante ou pas. Ça permet de prioriser. On va essayer de prioriser l'extinction et la migration des applications qui ne sont pas compliantes pour réduire vraiment ce scope de non-compliance. Ça sur ce stream application, c'est vraiment le plus gros stream et qui est assez long et structurant puisqu'il nécessite beaucoup d'équipes de développement et de QA. Mais ce stream d'application ne peut pas fonctionner si en parallèle de ça, on n'a pas un stream sur l'infrastructure. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur la slide de contexte, chaque société avait plusieurs data centers, avait son propre réseau, avait ses propres systèmes de messagerie. Donc, de la même manière, il y a une stratégie de convergence de l'infrastructure. Quand on a 10 data centers, on doit le rationaliser, puisque ça fait autant de contrats, autant d'énergie, autant de coûts d'hébergement et surtout autant de serveurs à maintenir. Et donc, il y a vraiment un objectif de réduire et de simplifier l'infrastructure pour réduire le nombre de serveurs, réduire le nombre d'incidents, ajouter de la redondance,
harmoniser l'ensemble des technologies qui sont utilisées et surtout avoir une infrastructure qui va être capable d'accompagner la croissance du groupe. Chacune des sociétés avait son propre data center, avait sa propre infrastructure. À l'échelle, quand on rassemble tout ça, on commence à avoir un groupe avec une taille critique assez importante, à avoir une volumétrie de données importante. Et donc, il est important de pouvoir projeter la capacité et la puissance des serveurs dans le temps et surtout de s'assurer que l'infrastructure va pouvoir accompagner la croissance des applications. Et donc, la convergence de l'infrastructure, on ne peut pas tout faire en même temps non plus. Mais on est obligé de faire un petit bout sur chacun des projets d'infrastructure pour améliorer les choses. Ça passe forcément par une phase d'analyse, d'inventaire des serveurs, d'inventaire des différentes liaisons, d'inventaire des serveurs que l'on a, les inventaires réseaux. J'ai découpé en quatre projets, en quatre sous-projets, la convergence de l'infrastructure, c'est-à-dire converger faire un projet d'harmonisation réseau, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des sites de l'entreprise soient raccordés. L'entreprise, avec le groupe Ikera, c'est presque 16 localisations à travers le monde, une dizaine de sites en France, un site à Port-Louis, deux sites en Italie et une dizaine de data centers. Donc, c'est vraiment le maillage réseau est vraiment important et surtout pour fournir une redondance réseau entre ces différents sites pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux différents data centers et d'avoir une redondance si un data center tombe ou si une liaison réseau tombe. Donc, un très gros projet qui s'est étalé sur un an et demi d'harmonisation réseau et de toutes les liaisons. Une convergence également de l'outil téléphonie bureautique. Chaque société avait sa propre téléphonie et il devenait important de fournir une même solution de téléphonie pour tous les utilisateurs. Après, on a un troisième stream qui est beaucoup plus long, qui est la migration de data center. Donc, puisque c'est des opérations qui sont très longues avec comme objectif de fusionner et de diminuer le nombre de data centers et donc c'est un projet qui s'étale sur 3 ans avec comme priorité migrer les salles serveurs qui ne sont pas dans des data centers. Historiquement, on avait certaines salles serveurs qui étaient sur des sites utilisateurs et qui n'avaient pas forcément toutes les normes d'hébergement, de redondance d'électricité ou de clim. Et donc, en priorité, on a migré ces salles serveurs dans des vrais data centers. Donc, c'est des opérations avec beaucoup de risques qui nécessitent beaucoup de présentation, de préparation pour pouvoir réaliser séquentiellement et progressivement ces migrations de data center. Quand on parle de migration de data center, c'est-à-dire migrer des centaines de serveurs d'un data center à l'autre. Donc, c'est des serveurs soit physiques, soit des serveurs virtuels. Et donc, en fonction du type de serveur, il y a des stratégies de migration différentes. Et une fois que ces projets sont bien avancés, on commence à être capable de mettre en place un outil de supervision unique de l'infrastructure, qui est quand même la clé du bon fonctionnement d'une infrastructure, c'est de pouvoir monitorer globalement et d'identifier immédiatement les incidents qui peuvent intervenir sur une infrastructure. Et donc, il y a un stream de convergence des outils de supervision, puisque chaque société, chaque infrastructure avait son propre outil de supervision. Et donc, on avait beaucoup de difficultés à pouvoir corréler des incidents, puisqu'on avait plusieurs outils de supervision. Et donc, on est rentré dans un projet de consolidation des outils de supervision pour monitorer ces infrastructures. Je fais un petit focus sur l'harmonisation réseau. Sur ce projet-là, on avait 50 liaisons fournies par 10 opérateurs différents.
Ça veut dire que contractuellement, gérer 10 opérateurs, gérer la qualité et les relations avec 10 opérateurs, c'est très compliqué. On avait une quinzaine de SPOF réseau, c'est-à-dire de points qui n'étaient pas redondés. Et le budget de l'ensemble des liaisons représentait presque 650 000 euros à l'année. Et donc, pour pouvoir harmoniser le réseau, on a fait un appel d'offres auprès d'opérateurs pour réduire le nombre d'opérateurs. Et on a essayé d'innover, puisqu'on a un des objectifs IT qui est d'innover, c'est de mettre en place une solution de SD-WAN qui crée un réseau virtuel entre les sites à travers Internet et donc qui permet d'avoir un réseau secondaire de backup en cas de rupture d'une fibre. Pour réaliser ce projet-là, on avait une équipe de 3 personnes spécialisées en réseau qui faisaient à la fois le build, c'est-à-dire la réalisation de ce projet d'harmonisation, et le run, c'est-à-dire l'exploitation du réseau au quotidien avec tous les changements nécessaires qu'il y a à faire sur un réseau dans une période de fusion. Au bout de 18 mois, on a réussi à réduire le nombre d'opérateurs à 4, de réduire le nombre de SPOF à 2 et de multiplier les débits de réseau par 3 et d'arriver à un budget annuel de 500 000 euros, donc avec une économie donc de 150 000 euros. Donc c'est un beau projet, une belle success story. Et après, le dernier stream de la convergence d'un système d'information, c'est la bureautique. La bureautique, chaque bureautique était différente et par nature, on aurait pu se dire la priorité, c'est d'avoir un seul Active Directory et de mettre tous les utilisateurs dans un seul Active Directory. Ça, c'est une vision informatique. Le fait d'avoir un seul Active Directory, ça n'apporte rien au métier. Ça apporte juste de la facilité à l'équipe informatique en termes de gestion et d'exploitation, mais ça n'apporte pas de valeur immédiatement. Et du coup, en termes de priorisation de projet, on a mis en place d'abord une migration vers Office 365 et surtout déployé un outil de collaboration Teams qui ont permis aux collaborateurs de ces 3 sociétés de travailler ensemble. Donc c'était le premier projet qui permet d'apporter une valeur importante, surtout dans un contexte de fusion-acquisition. Il est important que les collaborateurs puissent travailler ensemble et d'échanger. Donc ça a été le premier projet que l'on a fait sur la première année. La deuxième étape, c'était une migration vers le VDI. Ce qu'on appelle le VDI, c'est le Virtual Desktop Infrastructure. C'est le fait de ne plus avoir de poste de travail physique sur votre bureau. C'est d'avoir un poste de travail dans le cloud qui permet à chacun de pouvoir travailler de n'importe quel site et surtout de pouvoir travailler en télétravail. Donc, ça fait partie de l'innovation, de l'objectif de l'innovation. Et enfin, le dernier projet, c'est la fusion des Active Directory qui simplifie la gestion quotidienne de l'IT. Je vous fais une petite synthèse sur ce retour d'expérience. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Définir des objectifs clairs et compréhensibles, découper en stream ce programme de convergence des IT, puis en projet et en jalon et en sous-jalon. Mais faire un projet de convergence sans mettre en place une organisation et une méthode de travail, c'est pas possible. Donc c'est important de ne pas oublier l'organisation. Par contre, il y a des risques et des incertitudes quand on fait ce genre de projet qui s'étale sur plusieurs années. Il peut y avoir des risques exogènes, il peut y avoir des nouveaux clients, des projets prioritaires, des problèmes de performance d'une infrastructure. Donc, il faut en avoir en tête et être capable d'ajuster. Avoir en tête que ce que l'on planifie sur plusieurs années ne se déroule jamais comme prévu. Donc, il faut être capable d'ajuster et le plan que l'on définit est un cap qui permet de donner la direction. Les pièges et les clés de réussite, c'est surtout ne pas tout faire en même temps. Il faut vraiment prioriser et prioriser pour apporter de la valeur au métier. Ne pas sous-estimer le temps nécessaire pour qu'une organisation IT soit mature. Communiquer régulièrement auprès des métiers les différentes étapes. Et surtout, il ne faut pas hésiter à ajuster le plan. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup.
Très bien, très bien. C'était impression. Ouais. On passe aux questions et il n'y en a que qu'une seule. C'est de Roshan et il te demande comment est-ce que une équipe offshore peut s'intégrer à cette stratégie. Elle peut s'intégrer très facilement dans cet écosystème. C'est le cas d'Ikera, puisque l'ensemble de l'équipe de R&D est à l'île Maurice. Et surtout, on a des équipes mixtes. L'équipe d'infrastructure est répartie sur plusieurs sites, à la fois en France et à l'île Maurice. Et ça permet des différences de culture, de fonctionnement, et le tout apporte de la valeur. Donc, c'est tout à fait possible. Très bien, très bien. Très bien, merci. Et je crois que c'est tout comme question. Ok, moi je suis joignable sur LinkedIn. Vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn sans aucun problème. Et puis, n'hésitez pas à aller visiter le site web de Ikera qui peut vous expliquer la stratégie de l'entreprise et ce que fait exactement cette société. Wonderful. Thank you so much, Sylvain. Yes, merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous. All contact details and for the speakers, of course, on the schedule, on the agenda, just pop up the details. You get information about the session, you get information about the speaker, and you get also the social media contact information of each of our speakers. Sylvain, thank you so much for this fantastic presentation. I picked up, I think, the majority of information. Again, a big thank you to Ikera being a partner for the community, being a partner for the Developers Conference. And we're also looking forward then to welcome you next year for hopefully then the physical conference in Port Louis. Thank you very much. Bye-bye. All right. Have a great Bye-bye. Day and enjoy Bye-bye. The other sessions too. Thank you. So yeah, Aditya, what do you think about this? Yeah. Complex scenario with the different companies, their activities, the overlapping situation, and bits and pieces. I mean, it's not an easy task. Yeah, it's not my cup of tea, but I pretty much figured it out in the first 5 minutes. But it is a really complex job, governance and all, how management grows, how to support your business growth and all. So. I think for the right people, for the target audience, Sylvain made quite a good job presenting them. Yep. Please stay tuned. Thank you.